Ça résume. Non, ça filme. Ouais. Yeah. On dirait que c'est une caméra numérique. <T'as... rire> Ça ma gueule. Attends. Oh, je ma gueule. Oh. Il déchire ton téléphone. Il blinde ou quoi? Ah, je filme quand même, de me filmer, cet enfant. C'est vrai. Ça va le. Il est bien positionné, c'est pas grave. Il est là. Enculé. Il est là, le vrai. C'est qui le vrai? C'est lui, le vrai. Il est là, le vrai. Le premier à passer sur 8 FM. Voilà. Il est là. Le premier rapport de Bordeaux à passer sur 8 FM dans ma mère. Voilà. Le premier rapport de Bordeaux à t'emmerder. Voilà. À la gueule. Qu'est-ce qu'il y a? Poum. Il est là. Il est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Poum. Il a visé le poum. Yeah. Alors, petit Sams, oui. Parle-nous un peu de ce que tu renies. Ce que tu renies. Ce que je renie. Il est Anacron. Il est là, Dindinor. T'as dit quoi? Anacron. Oh, qu'est-ce que c'était? Une petite qui est passée là. Là. T'arrêtes tes conneries. Hein. Ouais, mais il y en a un, on a oublié là. Biwan. Ça va? Ok. Voilà la caméra. Non, je prends. Pourquoi? Bon. Bah, elle est bonne. Chouf, elle est bonne. Film, elle m'a rachet. Zoom, zoom, arrête, pas mal. Nous, c'est là. La baccara. Suis les petites fesses de Denis. Il est con. Il est comme dans un daron là. On va qui dit que nous. On va baccarat à la Mexique. On y va? Ça y est. Ok. On éteint le téléphone? Vaut mieux, ouais. On y va. Paf. Ouais, j'ai un petit peu de. Aïe. Un jour, baccarat, il y aura ça. Il y a du monde qui en sont là. C'est professionnel. Alors. Sams ici. Ici? Ouais. Quel Ikea sur le dos? Bonne réactivité déjà. Du fait que le disque est arrivé, je pense pas que le TFM s'est plutôt pas brûlé, donc si on peut se faire connaître, ça. Tant qu'à faire. Alors, Baccarat présente du Bordelais dans l'art, il est dispo ou pas encore? Il est dispo partout, Virgin, Fnac, Investor, Cultura, partout. Partout. J'ai les petits disques aussi, si j'aimerais le percevoir et puis ouais. Ensuite si ça marche. Ça se passe comment pour l'instant? Pour l'instant, bonne nouvelle, on est 5e à Virgin Media Store. Pas mal. Pour l'instant, on est 5e à Ervin, dans sa ville. J'espère que tous les Bordelais ce soir ils vont être là derrière Baccarat et le Square. Ah bah, demain matin, dès que ça ouvre, on peut le soir parce que c'est pas fermé. Il n'y a pas de souci. Cet album, c'est combien de temps à faire, à préparer? C'est 2 ans et demi de travail au niveau des écritures, c'est-à-dire en fait, on avait des morceaux qu'on avait déjà travaillés.
Alors ça fait un bout de temps, je crois que vous connaissez tous ensemble. Quand même un bon bout de temps. Genre quoi, depuis 95 On se connaît depuis longtemps. En 95, vous avez commencé à rapper ensemble. Puis comme au début, chacun rappait tout seul, quoi. Ouais. Puis on s'est vu comme on était toujours ensemble. Qu'on allait faire un truc ensemble, qu'on a commencé à rapper juste pour le loisir, pour le plaisir, c'est la passion. Alors, sauf qu'il y a 10 ans, il y en avait quand même beaucoup moins, des groupes de rap. Alors là, c'est qu'il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que maintenant, la découverte de la musique du rap. Je dis ça, c'est pas une critique contre vous, mais c'est vrai que c'est une musique qui devient, un peu trop nombreuse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y a beaucoup qui font de la musique. Ouais. Mais peu la vie, non la vie. C'est ça le problème. C'est ce qui nous entoure au quotidien, c'est quelque chose de réel, c'est vrai. Tout ce qu'on dit dans les morceaux, du style le vent des blocs, je sais pas, c'est une métaphore avec le vent des globes, l'opéra, on s'imagine tout le monde qu'on est en orchestre, en train de jouer devant des millions de personnes. Pourtant, nous, on joue entre nous et ça nous plaît, et voilà, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tricherie. C'est ça le truc du score. Parce que nous, on est des mecs prêts, on débarque, on a du thème, du flow, on est arrivé dans les rues bordelaises. Allez, c'est parti. Okay. Du Bordelais dans l'art, le square est avec nous ce soir jusqu'à 20h. C'était quand même plus de bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Tu t'appelles comment? Eva. Allez, on marque une pause et on va attaquer dans quelques instants le live. Vous ne bougez pas. Bonjour, je m'appelle Fabrice Bord, directeur de Jaguar Bordeaux. Elle est concours. Les papiers sont en cours, le temps que ça traverse. Ouais, je suis venu, je suis blindé. Non, je rigole. Rappeur. Ouais. Rappeur, MC, Kedy Ken, pareil. Et au niveau des compositions? Ouais, on a celui qui a la caméra là, B1. Bah, il sait tout faire, là. Produit. D'accord. Un Chrome, il est là aussi. Il a fait 3 sons dessus sur le CD. Et pour les paroles? Les paroles, c'est nous-mêmes. Chacun les écrit. C'est chacun fait sa partie, ouais, chacun. On se donne un thème, on se voit. Baccara, Sam, Skiddy, Ken, Dindy, B1. Sur 8 FM. Baccara. C'est Baccara, du Bordelais dans l'art. Flora Gravement. Flora Gravement. Tchie. Pas de musique. Pas de musique. Bordeaux. Yeah. Bordeaux. Score en mic, bébé. En live sur 8 FM. Regarde les contrastes de ce monde. La sphère est en feu. Ça parle de contrat et de front. Pendant que toi meurs à petit feu. Yeah. Mais où est passée la vie? De Gaza jusqu'à Tel Aviv. Parle avec le Kalash. T'aimes la vie? J'élève ma voix aussi haut que le monde Everest. Je viens au mic crier toute mon ivresse. Mon globe scène, globe scène. Yeah. Je vois trop de choses obscènes. Yeah. Ça y est, c'est parti, t'es en apnée. Avec moi, je vais t'emmener de vive voix loin, loin, suis-moi. On part parcourir le globe, l'hémisphère au nord-sud. Un tour d'horizon, des misères, des vérités nord-sud. Quel enfer d'y vivre, ouais. Mon frère, ma soeur, on est tous ici sur le qui-vive. On se fait la guerre pour quelques barils de pétrole. Tu vois bien qu'au fond, ici, c'est l'argent qui contrôle. J'ai une âme et coup de poing. Ton pédo, c'était pas un coup de poing américain, plutôt la Gaïda réseau, quoi. T'entends ces bruits, toutes ces bombes qui nous détruisent. D'un bout à l'autre, contemple-toi, même ce chat.
marchands de ruines. Ça fabrique dans des labos, machines de guerre. À croire que des enculés nous préparent la troisième belle merde. On reste des enfants de Dieu qu'on dise bismillah ou bien amen. Les paroles s'envolent, les miens choquent, frère Ben. Ouais, oubliez pas ces enfants à l'orphelinat. Tous ces petits morts à cause de la guérilla. Après toute guerre, y'a trop de mômes qu'on enterre. Comment me taire face à tout ça, j'aime être la France entière. Je pense à ces gosses qui attendent mais médecins sans frontières. Le reste du globe n'est pas prêt de s'investir. À travers les religions, on se mutile les esprits. De multiples raisons, pourquoi se dessine les conflits, la violence est mondiale, il faudra le pas. Toute langue hélas, de mon petit drave mouche qu'au fin fond des favelas. Regarde où ça mène, les vieilles rancunes. Israël, Palestine, toujours même quand rendu mon globe saine. Anachrone, je vois trop de choses obscènes. B1, yeah, à la prod. Mon globe saigne, c'est Baccara, t'entends. Mon globe saigne, SQR, yeah. À croire que dans tout ça, l'ONU a déclaré forfait. On n'a pas fini de morfler, c'est sur qu'elle peut danser. Yeah. La musique de la paix semble pas juste. Y'a qu'à voir le nombre grandissant d'hommes fascistes. Le pouvoir de la croix gammée tente de ressusciter. Pour combien de pédés, mon frère reste frère sur cette idée. On a trop fait le mal, voilà le revers de la médaille. Et quand je pense au sida partout, je te jure frère, ça daille. L'homme est un loup pour l'homme, maintenant c'est tout pour l'or. Tout est une question de billets. Merde, c'est quoi ce désordre? C'est le cas, on est tout près de l'overdose. Le diable sur nos têtes, chaque jour porte. Le même virus suivi, grand D, des milliers de gosses, autant y'en la tête avec un grand D. Un spectacle pitoyable, tragédie, misérable, la fin du monde approche. Et j'ai peur pour notre sort, yeah, ce monde me fout le cafard. Nord, sud, est, ouest, partout c'est le bazar. Combien ont vu leur peuple sous des obus de bâtard. Je plus de bataille, ce jeu est truqué. On joue pas les mêmes cartes, c'est plein de trucs et de matériel. On nous vernit depuis la maternelle. La vie, je l'ai matérielle, fais pas de cadeaux. Ouvrez les yeux, n'est-ce pas? Globe, c'est. Oui, tout même, je vois trop de choses. Obscène. Mon globe saigne. Trop de choses obscènes. Bordelais dans l'art, dans les bords. Baccara. Premier titre live du Square. C'est un des cantons sur l'album. Ouais, bien évidemment. Présent donc chez tous les bons marchands de disques. Bon, on parlait tout à l'heure de la culture hip-hop dans laquelle vous avez baigné tout petit. Mm-hmm. C'était quoi à l'époque les influences? C'était le cartel, la rue, la peste, le sale truc mortel. Non, c'est plusieurs trucs. C'était bon, comme c'était rap, bon, rap américain, plutôt, ouais. C'était influencé rap américain, un peu rap français aussi, les précurseurs. Et voilà quoi. On a beaucoup aimé la Clica, ce qu'ils ont fait. C'était un ancien groupe. Puis aussi, ouais. Culture hip-hop aussi, il ne faut pas oublier le DJing, le grec, graph. Enfin, c'est une culture, il n'y a pas que le rap. C'est vrai que le rap, c'est, comme commercialement, ça a connu un boom, ça a explosé. C'est ce qui est le plus connu, mais il faut dire que le hip-hop, il y a beaucoup de trucs. On est là pour faire du nettoyage, on est là. C'est comme partout, hein. Des imposteurs partout. C'est quoi des imposteurs dans le rap, hein? On va dire les opportunistes. Par exemple... des personnes qui, on va dire, sont fous du rap, vont rapper juste pour la musique, quoi. Par exemple, si on a quelque chose à faire, c'est comme si, je rentrais dans la... Je me commençais à me faire une voix, je commençais à chanter, je dis voilà, je suis un chanteur, je chante de la pop, alors que j'ai eu aucune influence, quand je sais qu'il y a de l'argent au bout, quoi. Pour ça, c'est les imposteurs, ou c'est les personnes qui vont dire faire un hit, vont marcher, et puis du jour au lendemain, ils vont se casser, et puis voilà. C'est pour ça que nous, on vit notre musique, la culture, on la connaît. Voilà, depuis petit, c'est du quotidien, quoi. Voilà. On écrit nous-mêmes le texte, c'est-à-dire on fait tout seul, quoi. C'est compliqué de faire du rap à Bordeaux? À Bordeaux, ouais, à Bordeaux, c'est compliqué. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses infrastructures au niveau bordelais, quoi. Il n'y a pas eu de grand boom de rappeurs qui ont au niveau bordelais. Et c'est vrai que le niveau, surtout rap français, c'est plus l'axe Paris-Marseille, quoi. Et c'est clair que, comme aussi dans le Paris, marché d'hip-hop, rap, français au niveau parisien, déjà beaucoup de rappeurs parisiens et marseillais, donc c'est dur d'avoir des créneaux, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de radios
qui sont spécialisés hip-hop. Et donc, c'est très difficile de se faire entendre, quoi. Surtout de Bordeaux, quoi. Alors, est-ce que vous êtes tenté, justement, est-ce que vous avez été tenté au cours de votre histoire de vous rapprocher de cet axe Paris-Marseille? Non. Parce qu'il y a beaucoup de... Non. On entend beaucoup parler, notamment des collectifs de Cool Shed et Joystar, BOSS et For My People. C'est pour ça qu'on met... Il y en a plein d'autres. Comme on a fait le CD, c'est utile du Bordelais dans l'art, en fait, c'est pour que le CD, on l'a balancé, on ne sait pas où c'est qu'il va atterrir. Ça peut donner plusieurs chemins, c'est-à-dire... On peut rencontrer des personnes qui veulent nous voir jouer en concert, nous inviter à une radio comme 8FM, ou nous proposer de chanter avec d'autres personnes qui commencent à peine. Voilà quoi, c'est... Par nous-mêmes quoi. C'est par nous-mêmes de trouver un filon, quelque chose qui pourrait faire en sorte à ce que Bordeaux, il y a le Square, il y a Baccara, il y a Sams, il y a Kid Diken, et il y a tout le monde, voilà. Et le rap à Bordeaux, ça représente quoi? Combien de groupes? Combien de... Vous avez une idée tous de les ça jours, vous tous, avez... tous les jours à Bordeaux, il y a un nouveau groupe. Ouais. Tous les jours. Enfin, c'est... Et aussi, il y a beaucoup de groupes qui ne sont pas entendus, donc on ne peut pas estimer un chiffre exact. Quoi. Par exemple, il y a des groupes qui peuvent avoir rappé depuis super longtemps, qu'on ne peut pas connaître parce qu'ils n'ont pas eu les moyens ou pas eu l'opportunité de sortir des trucs. Donc, Mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'endroit où vous pouvez vous retrouver. Il n'y a pas, j'allais dire, les structures qu'il y aurait, par exemple, pour le rock. Non. Mais aussi, il faut Il n'y a pas d'équivalent de la rock school, par exemple. Voilà, ouais. C'est-à-dire il n'y a pas de rap school, quoi. Il n'y a pas de rap school. Il y a quelques rap schools, enfin, c'est pas forcément des rap schools, c'est pas forcément, c'est, par exemple, c'est comme si nous, on crée une structure, c'est clair que c'est les personnes qu'on va connaître ou avec qui on a eu l'habitude de travailler, quand on va travailler, mais les personnes qu'on connaît pas, c'est clair qu'on va pas pouvoir savoir qui puis les gens aussi à côté sont méfiants, quoi. On va pas forcément vouloir venir parce qu'ils vont, enfin. Nous, on fait nos trucs, bon, là, c'est le square et on essaye de monter le, on va dire, la structure qui va s'appeler le pavé musique. En fait, le pavé musique, ça va être plusieurs activités qu'on va mener dans le courant de l'année. Voilà, on va essayer, on va continuer toujours à pousser. Il y a Sur Track Ma Ville bientôt. Pas de soucis, ça continue encore. Hein. Bon, on va parler de tout ça d'ici la fin de cette émission. On va écouter tout de suite un deuxième extrait de l'album Où est ma feuille. Voilà, j'ai pas ma feuille, je suis paumé moi. Alors, que je regarde. À la poursuite d'un rêve. Non, on a changé. Flot d'artifice. D'accord. On a le feu. Ah, c'est salaud. Jean-Philippe, c'est pas bon tout ça. Ouais, ils essayent de me piéger. Non, en voir la balle. Il fait qu'un, d'accord, ok. Attention, n'oubliez pas que c'est moi qui ai les boutons pour les micros, donc okay. Je peux couper. Je peux couper n'importe qui. Okay. N'est-ce pas Sam, ça? Ok. Hein, si on t'entend plus, tu t'étonneras pas. Ok. Allez, c'est parti. Allez. Normalement, ça va partir. Pourquoi ça parle pas pour Flo Gravement? Ah ben voilà. Square for life. Musique, on allume nos us, il faut d'artifice, on articule, on articule. On débarque, on déshonore, pas des monarques. À la guerre, comme à la guerre, soldats au lourd, ferme, artifice, flow, t'inquiète, on ouvre, vas-y, branche, les strong, beau scope, on dance, non stop, on dance, non square, mec, on pense, ok. Le mic est chef d'orchestre, chacun prend sa vibe, le but c'est qu'on le respecte. On est dans le cas. Mange le gros scalpa, coupé mon scalpa, un pays bas sur face, mais de ma hype, mec ici dans le pas, il fallait pas nous tenir dans la faille, la rafale, 33 débarque pas mon rafale, en vitesse en malphone, force pour être fin, jusqu'en être fin, fin, et j'ai affirmé, j'ai couvert leur sublime, dans nos yeux, c'est bien ce que nous, on arrive, arrête, qu'on arrive, l'amour des miens et d'autres manies, au fond de la mer, payons que partout c'est si même, crime, on roule le bordel à la fine clim, on brise de sang, on est juste pour arriver. Le grand 8 sur 8FM. C'est un méchant. Regardez chez vous, j'arrive pour le mois d'un pour. Ah oui, je vous vois. Et vous me voyez là? En tout cas, je vous entends. Allez utiliser votre jolie voix pour la promo du jour. Aujourd'hui. On est la même vitrine. Je crois que je viens de Florac. Mais j'ai dit. J'aime ta Florac. Vous avez ta Florac? Ouais. Vous avez Florac qui se retrouve, hein? Bah voilà. C'est ça. C'est mieux ça. Le haut, le bas. Le haut, le bas. Le milieu. Le milieu, vraiment. Ouais. Il est neutre. Oh, alors. Pas de la mûre. Ah, le haut, c'est au Florac, quoi. Près de la mûre. Ouais. Ah, mais j'ai pas du centre aéré, justement. Le centre aéré, la mûre, centre aéré. Avant Seine-Saint-Denis. Seine-Saint-Denis, 9-3. Ah ouais. Ah, je suis un vrai, moi. Ah ouais, c'est un vrai. On voulait pas le dire, mais. Pas l'air comme ça. Pourquoi on n'est pas fait du rap?
J'aime bien rap, mais je suis plus rock. Il est plus rock. Ouais. Mais j'écoute de tout. Le rap, j'aime bien, mais enfin, j'ai plus grandi avec du rock. Du rap, quoi. Ouais. Le rap, aussi, un peu. Moi, c'est qui? C'est Daryl Gang, tu vois. Hop, hop, dégage, dégage, dégage. T'as 15 ans, tu danses. Mais... ça avait pas. Même pas de quoi, c'était, ça va maintenant. Ouais. C'est quoi, c'était Johnny B? C'est ça? Ah, ça c'était du grand. C'est du grand tard ça. Ah lui c'était un ouf. Mais avec les danseurs. Disponible en agence. Avec les salopes. C'est ça, Vanilla Ice. Vanilla Ice. Rose Jump. Jump. Non, non, non. C'était. Voilà, heureusement personne nous a filmé. Ah ouais. Il y a des dons ici. Heureusement que ça a été confidentiel. Entre nous, tu sais, dans notre petit patelin, tu sais. Familial. Ça, c'est une question que je pose à tous les groupes qui viennent ici. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, on ne peut pas en vous. Parce que c'est après, ça. Non, mais attendez, j'ai des questions après, ça découle. Hein, ça c'est la première. Ouais, c'est la plus dure. Tout un cheminement, tu vois. Ah, bon, on va se méfier alors. La première chose, c'est que c'est un kiff. Voilà, la musique, nous, on l'aime. Tout ce qu'on fait, tant au niveau, le temps qu'on perd à écrire, à aller à gauche, à droite, à chercher. On sait que peut-être qu'un jour ça paiera, même si ça paie pas. Voilà, si je vous parle de ça, c'est quand vous voyez des groupes qui finissent par exploser. Oui. Est-ce que, au bout d'un moment, alors, est-ce que c'est un exemple, mais est-ce qu'au bout d'un moment, ça devient pas aussi décourageant, finalement, d'être là depuis 10 ans? Non. Non. Et de continuer à vous faire plaisir. Si on est là, c'est parce qu'on aime ça, nous, quoi. Voilà, 10 ans après, 20 ans après, tant que si on a encore envie, on aimera toujours ça. Voilà. Ouais. Il n'a pas d'envie, c'est. On se dit pas, on n'est pas en vue quoi, parce que c'est chacun sa route quoi. C'est si ils ont explosé, c'est qu'ils devaient exploser quoi. Puis voilà quoi. Ouais, on ne met pas de pression, on se. Tôt ou tard, on explosera quoi. Tôt ou tard, je le souhaite. On se bat. Je le souhaite. Et quand un groupe explose, est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est vraiment parce que ça doit être son moment? Non, parce qu'il va exploser, il ne va pas exploser. Non, on va dire que c'est parce que c'est ce qu'il y a derrière. C'est ce qui englobe derrière l'explosion de quelqu'un, si les radios suivent. Les médias apprécient la musique. Et les maisons de disques aussi, je suppose que vous sont du pouvoir. Démarchez ou pas? Les maisons de disques, elles ne signent plus. Hein. Même, elles ont plus confiance aux jeunes. Et aussi d'un côté, notre but, c'est pas de faire de la musique pour être signé forcément, voilà. Et pour exploser. Parce qu'on peut, on n'a pas envie d'être signé et de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut faire, vraiment. Donc on vit, on essaye toutes les voies. Quoi. L'autoproduction d'abord, là on est libre de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire. Puis après, ils ont le disque, on y réfléchira quoi. En fait, le CD que vous avez là, c'est la deuxième on va dire, production du groupe. Il y a, ouais. Il y a eu une cassette que Dindy leur a fait, qui s'appelle À cœur ouvert, voilà, qu'on peut encore trouver. Et celui que vous avez dans les mains, là, du bordé dans l'art, c'est ce qu'il y a actuellement. Et donc, c'est pour vous dire qu'on a. Ça progresse. Ça progresse voilà, dans le temps. Il a été enregistré où cet album? Au studio DWF, Bordeaux, Bayer Judaïque. Big up à Wilco. Donc il y a au moins un studio où on peut enregistrer du rap, pas défaut d'avoir des structures. Non mais c'est important parce qu'on en parle souvent dans cette émission, c'est important de faire le point sur ce qu'il y a, sur ce qui peut aider, sur les galères qu'on peut avoir et ça peut donner des envies, des conseils à plein de gens qui nous écoutent. Plus de concerts, hein, c'est-à-dire les personnes qui font les concerts sur Bordeaux, qu'elles n'hésitent pas à prendre des artistes qui débutent, à les faire jouer au début pour que les gens y viennent. Ça fait déjà ça. C'est encore plus difficile parce que c'est du rap, qui n'a pas forcément une image, à tort ou à raison, de gentil garçon. Ouais, c'est ça aussi d'un côté. D'un côté. Voilà, il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai, faut se mentir. C'est. Allez, Sam, lâche-toi. C'est une question tabou. Non, mais c'est vrai que, vu que la mauvaise image qu'elle a, parce qu'il y a eu beaucoup de concerts où c'est parti, on va dire, un peu en vrai, quoi. Mais le problème, c'est que. C'est pas parti en vrai parce que c'est du rap. Ça pourrait être n'importe quelle musique, ça aurait pu partir en vrai. Et c'est que ça le problème, c'est qu'ils ont trop le cliché du rap, voilà, du racailleux qui va venir foutre le bordel ou foutre sa merde quoi. Alors que. Donc, il y a des soirées qui passent très bien. Hein. Mais bon, petit à petit quoi, ça va arriver et puis ça va finir le soir. Voilà, et en même temps, c'est une réputation que certains entretiennent très bien. Ouais, mais après, c'est comme dans tout. C'est comme chez les rockers ou chez les hardeurs, il y en a qui vont foutre le bordel, il y en a qui vont être plus pacifistes dans n'importe quel. C'est comme pour la techno, il y en a qui vont faire des raves, ils vont foutre le bordel, ou c'est un peu partout.
Mais dans le rap, c'est vrai que c'est stigmatisé, quoi. C'est-à-dire, on dit le rap pas, attention, non. Dans le rap, ouais, mais ça peut, justement, est-ce que c'est, c'était ma question, est-ce que c'est une des raisons aussi qui fait que bah, y a pas de concert pour vous, qu'il n'y a pas trop de propositions, etc. etc. Non, ouais, d'un côté, ouais, c'est une des raisons, ouais, forcément. Ouais. Deuxième titre live, ouais. Tout le monde est prêt? Il n'y a pas de soucis. Bon. C'est dédicace à la ville de Florac, Trav, Mont, chez nous. Ceux qui nous écoutent. Chez c'est nous. On vient. Visco qui veut être costaud. Yeah. Visco, biscotto. C'est pour les frères Pétard, Pestard, Balistique. Yeah. Quartier boum, Florac, Trav, Mont, c'est Baccarat, du Bordelais dans l'art. Ok. Tout le monde là. En live. 8 FM. Del Click. Florac, Trav, Mont. B1. Puis on a la prod. Ça vient du cœur. Du cœur. Pas Karachnikov. Yeah, yeah. C'est la Bakarachnikov. C'est pour mon squad. Din, Dinor, Sam, Skediken. La balistique. Les frères Pesta, Florac, Dravement. Monte le son. Smolly, vas-y. Monte le son, ma pomme. C'est Florac, Dravement. Omar, Brahim, Ramon, toute la clique. Écoute la bande annonce, c'est pas qui va. Je sais que le quartier fait mes bacs, donc bad climat. Tous sur la même piste, à cheval devant les mêmes risques. Inch'Allah, un jour on sera tous sur un même disque. Peu importe la couleur, or ou platine. Le sang vient de la rue, tu sais frère, là où on patine. On n'est pas là pour faire du tapinage artistique. On est prêt à tout faire pour notre son, part d'ici. On est tous en piste, pas pour le mitard. On évite les mythos fils, sans s'y prendre trop tard. Écoute, c'est l'original frère, la Bakarachnikov. Je mets mon quartier sur écoute et sois avec les moyens du bloc. En plein dans le tas, je tire. J'ouvre le feu, je crois en mes voeux, comment mentir chaque jour. Plus ambitieux, bac largue les amarres. C'est pas dit que ça marche. Écoute, l'odyssée du frère, ça s'indique à sa marque. Donc, à vos marques, flow, armé. Voilà du floraqué dans l'âme pour vous charmer. C'est d'où je débarque, de Florac gravement. On me trouve dans cette armurerie où ça a gravement. Y'a la chevrotine avec moi, pas loin Sam's Beretta. Mon poteau, Kidiken, Aka le Yuziken. On porte drap, tatouage, rap. Dis-moi à tout hasard, bombardez combien de fois là vous bombardez les bacs. Chez Claire, Tilleur et Dac, les frères Pestard sont taqués. Pitié. Mais là, les temps, quoi fermer, déclaquer. Tu sais d'où je débarque, de Florac gravement. On trouve dans cette armurerie où ça rappe gravement. Y'a la chevrotine avec moi, pas loin Sam's Beretta. Mon poteau, Kidiken, Aka le Yuziken. On porte drap, tatouage, rap. Dis-moi à tout hasard, bombarder combien de fois on a voulu bombarder les bacs. Chez Clark, Tilleur et Dac, les frères Pestard sont taqués. Sans pitié. Bienvenue à Dravement, là où tous les frères sont pestards. Celle-ci c'est pour la balistique et les frères du squat. Viennent dans le sous-sol, tu veux que je te dise quoi? D'un bloc à l'autre ça rêve pas mal. Génération, qu'est-ce qu'il y a? Et silence on tourne, branchez les platines. Je viens pas rouler mécanique, plutôt montrer mon calibre. On reste hip-hop, je tiens à dire on va canarder les ombres. Derrière nos swats frère je casse bien plus que des ombres. Tu sais d'où je débarque, de Florac Dravement. On me trouve dans cette armurerie où ça rêve gravement. Y'a la chevrotine avec moi, pas loin Sam's Beretta. Mon poteau, Kidiken, Aka le Yuziken. On porte au drap, tatouage, rap. Dis-moi à tout hasard, bombardier, combien de fois on veut bombarder le bac? Sams, on dit quoi? Vas-y. Square, la première est lyricale, la dernière sera ton bal. Donc, à grand coup de pavé dans ta vie, j'ouvre mon bal. Je changerai pas depuis son âge. Mais si ma voix se repasse sur les parois, ta chambre, dis-toi qu'il n'y a pas eu de pistonnage. Piston, seul mot d'ordre, faire du piston. Un pifon, Samson Mike, gravement. C'est le square du Bordelais dans l'art. Ah bah voilà, on lance la pub maintenant. On lance la pub. Impossible de le faire travailler. Je te trouve un super style. Justement, quand on met de l'argent chez vous, il travaille. Alors vous pourriez prendre Julien quelques jours. C'est quoi? Oui, 30 secondes, 30 secondes. Non, t'as pas de sang. Miguel, je t'en fends pas. Non, je l'ai oublié. C'est pas sûrement. Moi, il est pas sûr là. Moi, je l'ai oublié. C'est pas mal d'intermédiaire. C'est un moment là. Il t'a fait. 250 stands de producteurs, artisans et commerçants vous donnent rendez-vous à Bourg-de-Bastide pour le grand marché du bon goût d'Aquitaine. De 2h à 10h, la litière devient la vitrine des produits du département. J'ai trouvé aucun sac, c'est fini. Ah, il y a des Jean-Philippe ou 8 FM? Jean-Philippe. Bon alors comme vous êtes super balèze, on va lancer à l'heure et on va finir à l'heure. 4h30.
55 francs. Donc voilà. On va juste faire annoncer 2-3 trucs. Avant d'y aller. Merci, mais on l'a déjà fêté la semaine dernière. Oui, mais t'adores ça, non? Oui, c'est vrai, oui. Le plaisir. Ça vous a l'air, le son? Alors, chaque lundi, vous découvrez le son. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va. Plus clair, 3 pages sur votre semaine prochaine, info inédite, enfin bref, plus de pages, plus de plaisir. Nouveau Téléstar, et si c'était le meilleur moment de la semaine, il est toujours à 95 centimes, n'attendez plus. Allez, dernière partie du Grand 8 Live sur 8FM comme chaque mardi. Petit message à tous ceux qui nous ont envoyé encore des démos cette semaine, rassurez-vous. Ça va venir, l'émission pour l'instant est remplie jusqu'à la mi-décembre. Donc ne vous inquiétez pas, on va partir bientôt sur les rendez-vous de 2005. Mais ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas répondu que vous ne serez pas invité dans cette émission. Bon, les garçons, il nous reste 2 minutes avant d'écouter un dernier titre live. Alors, on précise aux gens que le CD... du Bordelais dans l'art. Il est sorti le 14 septembre. Il faut toujours le rappeler, ça. Voilà, qui est disponible Virgin, Fnac, Leclerc, Alice Media Store, tous les petits disquaires aussi de Bordeaux, Strictly Hip Hop, tout ça. Il coûte combien? Parce que tiens, ça c'est important. Ouais, 15 euros. Financier. Prix d'un CD. 15 euros. On n'est pas volé sur la marchandise, je vous le dis, parce qu'il y a autant de titres que dans un vrai CD, hein, il n'y a pas de souci. Il y en a même plus. Il y en a combien? 16. C'est limite, il aurait fallu faire un double avec ça. Double collector. Bon, la scène, on le disait tout à l'heure, c'est un peu compliqué parfois. Vous avez fait pas mal de premières parties. Je cite entre autres Rocket et la Clica, la Funky Family, 113, Rof, les Sages Poètes de la Rue. Les premières parties, d'un moment. Hein. On veut faire notre partie à nous. Voilà, voilà. Voilà, que tous les jeunes de Farah qui viennent nous voir sur scène. De tout il y a une salle à Florac, tiens, je vous ai pas demandé. Oh, oui, si, il y a une salle qui s'appelle l'Auditorium en fait. Voilà, donc c'est une salle de spectacle. Ils nous ont proposé la mairie pour le CD de le fêter là-bas. Quoi. Ouais. Donc on va voir si c'est possible. On dit qu'à ça, Étienne et à Philippe de la mairie qui s'occupent de ça en fait. Voilà pour nous faire connaître au début. Dès que vous avez une date, d'accord. On vous tient au courant. Un petit mail, un petit coup de fil. Et on annonce ça sans aucun souci. Le square du Bordelais dans l'art. Oh, je m'étouffe. Ouais, c'est pour une journée. Hein. Oh. Et c'est pas fini. Mais on c'est a pas, mis tiens. De l'eau dans le vin. Du Bordelais dans l'art. Il est là, Mimo. Il est là. Il y a un accent en plus. Ah, oui. Je rappelle à tout le monde que dans 8 Live spécial à la Victoire chez Auguste avec Steve Estata. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'arrive le temps de prendre un coup de skateboard et on est là. Dernier titre live, ça sera... Ce sera le bloc opéra. Yeah. C'est parti. Un Dim Dior, Sam Skeddy Ken back. J'ai le square, yeah. Flora Gravemont. Salut Déborah. Salut Déborah. Salut. Justement, on vous attendait. Non, rigole. Allez. You want? On va faire rien.